Mission notaire, chronique de Julie Courtois en 10 actes. PMA, même pas mal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce gros chagrin? Je viens d'expliquer à nos filles que leur naissance est spéciale et qu'on a demandé l'aide d'un médecin. Ça veut dire qu'on est malade? Qu'il ne devrait pas passer le médecin? Que tu peux nous abandonner quand tu veux? Ah, c'est malin. Laisse-moi faire. Mais vas-y, je t'en prie. Les filles, vous avez déjà vu quand le jardinier plante des petites graines pour faire pousser des fleurs? Eh bien, le médecin, c'est comme le jardinier. Et bien sûr, tout ça, c'est légal. Ça a été fait devant un notaire pour bien certifier que je suis votre papa pour toujours. On veut voir le notaire! Plus tard. Merci vraiment, Julie, d'avoir accepté de venir. Les filles, le notaire est là! Julie Courtois, notaire, mission accomplie. La délivrance d'une convention de PMA pour enregistrer le consentement paternel. Thomas sera désormais incontestablement reconnu en tant que père. Pour que vos parents puissent avoir des petites filles aussi belles que vous, ils ont dû faire une PMA. Et dans ce cas, ils ont fait appel à moi, leur notaire, pour reconnaître devant la loi que votre papa est bien votre papa. Et ça veut dire quoi, PMA? Procréation médicalement assistée. Vous êtes sûre, Julie, que ça ne veut pas plutôt dire papa méritant et aimant? Le notaire, officier public nommé par le ministre de la Justice, intervient dans de multiples domaines juridiques de la vie des Français. Mutation immobilière, droit de la famille, droit des affaires, etc. Les actes authentiques établis par un notaire ont la force d'un jugement définitif. Magistrat de l'amiable, il contribue par ses conseils et ses interventions impartiales à une justice préventive, réduisant ainsi litiges et procédures contentieuses. Thank you.